Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipiès, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Tête syndic de la commission chargée de trouver une solution haïtienne à la crise. Ted est avec nous ce matin à la rubrique Le Point. Pour revenir sur ce qui s'est passé, on parle de scandale, on parle d'incidents et de sabotage, tout ça. À lui de me dire exactement le terme qui convient mieux. Et des militants se sont introduits à l'hôtel Montana pour tout boycotter, tout saboter. Et là, est-ce que l'espoir est perdu? Est-ce qu'il n'y a plus d'espoir de trouver cette solution? Il s'agissait justement de procéder à la signature du projet d'accord portant justement sur la solution à la crise. Alors, où est le problème? Où est la pierre d'achoppement? Pourquoi est-ce que ça a mal tourné? On va essayer de comprendre le fond de la question. Son plaisir accueille au Lamantin. Hein. En pile, auditeurs et téléspectateurs, attendre, il a besoin de comprendre ce qui a passé, puisque ce n'est pas la première fois que ça arrivait, ce n'est pas la première fois que il y a un accord qui signe, et puis militants entrés, côté cérémonie à fait, ils ont écrasé, c'était le cahier, parce que je me disais, une chaise qui a passé en l'air. Et à un moment, j'ai même eu l'impression que la peur était également sur le point de s'installer. Tête syndic, merci de disponibilité pour Métropole. Bonjour. Bonjour. Et bonjour, auditeurs Métropole, téléspectateurs, téléspectatrices, auditrices et radio. Hein. C'est occasion, merci pour l'invitation. Hein. Nous parlons bien, une possibilité pour nous parler de ça. Et moi, je pensais qu'il y a un pile terme qu'on employait qui peut-être pas correspond à une réalité. Premièrement, la question de déblosage, comment ça passait des autres qui installaient, son moment de perturbation, on prend comme ça. Son moment de perturbation. Par qui? Vous dites militant. Militant, c'est militant d'une cause. Le monde militant. Mais c'est comme ça, on est en Haïti. Oui, d'accord. En Haïti, c'est comme ça, on est en Haïti. Depuis, c'est le monde qui est capable de faire l'obéir. Bon, ce qui n'est pas écarté que des militants politiques qui se comportent comme tels. Justement. Donc, on va obliger, comme Sindadou, c'est un artisan de l'obéir pour poser Justement. Donc, ça veut dire que je pense que militants sont un terme qui est tellement propre, Fon Kembil, à valeur le gain, c'est que ces militants, c'est mon cap bataille pour une cause. Et nous, ensemble de militants, qui travaillent depuis combien de temps avec nous. Ou tout dit, Mounier, comment il est. Et je pense que c'est des gens qui décident, soit vous voyez, ou bien de leur propre chef, que vous avez fait qui dérange eux. Et vous avez fait pour ça, pour déranger, pour faire le pas passer, pour faire le pas fait. Donc ce ne serait pas des militants? Non, je ne pas considérer ça comme militant. C'est pas quoi. Je ne pas quoi eux-mêmes te considérer comme militant, parce que militant, qu'on a parlé, le militantisme, c'est construit, c'est bataille pour construire un bagage qui pourra le permettre d'améliorer les conditions de vie, améliorer les conditions de société que tu vas vivre là. Et c'est ça, vous militez pour ça. Et plein de militants dans le pays, solides, qui réfléchissent, qui comprennent et qui agissent dans ce sens-là. Donc ça vient nous faire éclaircir ce sens-là pour nous dire qu'on a son perturbation parce qu'on a continué. Et avant et après, nous continuons et nous continuons toujours. Parce que l'accord est signé maintenant. Nous pas gagné un accord comme si campé. L'accord est signé. Et nous pensons que même tout, d'une certaine manière, c'est leur signature qu'ils ont baillé. Alors, moi, nous sommes dit, non, moi, nous, l'accord est signé. L'accord est signé, oui, l'accord est signé. L'accord est signé, on va vous dire. Et nous pensons que cette démarche d'interruption sont des démarches de confirmation que la signature était nécessaire. Donc, à leur manière, ils signent. Ils signent dans le sens que ils ont dit que bagaille, ça, j'en ai fait là, puisque après, on a un consensus, ensemble de population, ensemble de monde qui a rentré la donne, ensemble de secteurs qui a rentré la donne. Et s'il réussit, Haïti, il y a une capacité. Récupérer le minimum que l'on dit dès le départ. Nous, il y a 6 mois de travail que l'on dit ça. Le minimum qui est la souveraineté, un minimum de souveraineté, un minimum d'autonomie et pour prendre l'initiative politique à l'intérieur du pays. Donc, ça, il cap déranger les mondes. Ça arrive que on ne passe pas à l'aise que la question qu'Haïti a fait ça. Et Haïti toujours fait ça. Ce n'est pas la première fois qu'il a fait ça. C'est son tradition. On vivre dans le pays fondamentalement. Comme ça, il y a pris l'initiative, chaque groupe qui a réussi l'initiative. Donc, nous pensons que tu as gagné des mois ça. Donc, les moments passés,
te gen des ordres, moun yo agi un gens qui dérangeait tout le monde qui était là yo, mais moun yo était sereinement, yo pas affronté yo, yo pas gouma avec yo, pas gen bataille qui fait, yo simplement assisté que gon des ordres que voulait installer. Et puis les désordres a fini, nous recommençons le travail et nous continuons le travail. Donc c'est vrai, bah, il m'a dit pour jouer hier là. Et entre temps, nous avons des grands piles notes qui sortent, une confirmation qui dit parce que les gens étaient dedans, étaient poussés des cris, ils étaient des gens qui pensaient que c'est pour les gens qui travaillent pas pour travail. Mais ce n'est pas préoccupation pas de penser pour qui ça travaille, pour qui ça va travailler. Ce n'est pas important. Mm-hmm. Puisque son processus loge, quel que soit le lieu côté mon hier, il appartenu à sa cap fête là. Quel que soit le lieu côté hier, il y a une possibilité pour l'intégrer. Donc nous pas besoin d'une démarche qui t'a dit que faut imposer tel monde dans le processus là, parce que dès le départ nous dit nous pas gain monde, nous gain mécanisme, nous gain critère. Donc si quel que soit monde qui répond à critère et que mécanique soit appliqué, yo ka vinn responsable pays. Donc nous pas opposition à personne, ni nous mêmes nous pas opposition, yo pas prendre nous comme si nous sommes l'opposition. Mm-hmm. Non. Nous parlons de situation ça. Mm-hmm. D'autant plus que. Non, mais là, est-ce que on maldonne quelque part? Est-ce que on mauvaise perception du travail noir? Et nous m'a dit, et alors nous toujours dit tout. Il y a un bail qui est à prendre le pouvoir et il y a un bail qui est construire le pouvoir. Nous pensons que le moment que nous n'avons pas un pouvoir pour prendre, le pouvoir n'existe pas. Pas une force de pouvoir réelle qui est légale, constitutionnel, qui est consensuel et qui ont légitimité. Donc le pouvoir est là. Oui, un pouvoir transitoire qui l'a de fait. C'est ça, Navaldo. Il y a un bagage de fait qui existe. Qui l'a, oui. De fait là, qui trouve le ou pas, il n'est pas légitime, oui, okay, mais le pouvoir d'accord, quand même. D'accord. Mais il mène tout à chercher un bagage qui est consensus, à chercher une légitimité. C'est parce qu'il ne connaît pas gagner. Donc là, ce clin d'œil, ça, au fait, sur le Premier ministre. Oui, monsieur, il est là comme Premier ministre. C'est sa démarche de trouver ça, de chercher une légitimité, de ne connaît pas gagner. Maintenant, si vous pensez que vous parlez grand pouvoir, ça, vous pouvez penser ça. Mais ça qui est difficile là, c'est construire le pouvoir. Et c'est dès le départ, ça l'avait expliqué. Il faut construire le pouvoir. Pour échapper à l'influence internationale qui décide pour un tweet pour le nom de mon chef, il faut qu'un d'un pays ait une ressource qui est capable de pouvoir. Et une ressource, ça vous construit, ça nous relie la force de société. Mm-hmm. C'est une force de société consensuelle qui est capable de légitimité pour arriver au pouvoir. Et c'est la construction. Cette construction, justement, et c'est ça l'accord, on l'avait dit. L'accord l'avait dit qu'il y a un consensus entre les secteurs importants de la société pour construire le pouvoir. Dis maintenant, non. Il faut aller construire le pouvoir. Dis et non. Là, il y a une difficulté. À partir de quel moment ça, des ordres là, si vous voulez, tu as commencé? Est-ce que il y a des irritants qui t'ont avancé pendant la discussion, pendant la cérémonie? À quel moment? Alors, premièrement, nous n'avons pas de discussion sur ça. Hein, premièrement, parce que à quoi on a commencé à signer depuis la veille? Depuis dimanche, on a commencé à signer. Parce qu'on était décidé que nous avons commencé comme ça. Donc, le lendemain, hier, c'était simplement une journée de signature. Il y a eu peut-être une prise de parole, deux ou trois prises de parole pour préciser le cadre de ça, mais pas de discussion. Oui, sans interruption et qui fait en salle là. Mmh. C'est pas, il va à l'occasion d'une discussion quoi que ce soit, parce que nous avons capacité pour gérer les discussions. Mais est-ce que vous n'avez pas vu venir cette perturbation? On a entendu. Dans la mesure où la veille, par exemple, oui, t'es sur les réseaux sociaux notamment, il y a des groupes qui clairement exprimaient opposition par rapport à la signature du document. D'après moi, ensemble avec vous, nous, qui s'est passé? Or, en pile dans le monde qui dit non, yo, Genouvelle qui t'a fait quoi que préalablement on t'a dit qu'il y a psyène. Bon, alors on ne peut pas mettre mon en face de dédié comme si c'était une parole qu'on va dire après, nous ne pouvons pas entrer dans ça. Ah non, mais nous sommes obligés, nous sommes obligés parce que écoutez, nous on joue être coquins, nous forts dans coquins en Haïti. On va parler de, mais c'est comprendre globalement. Mm-hmm. Moi-même, quand je parle à voilà, je suis un gros coquin. Mm-hmm. Ok, je ne peux pas parler aujourd'hui en live, puis je suis un bon l'autre. C'est une pratique politique. Mais et pour nous-mêmes, nous pensons que la parole dite et la parole donnée, c'est fini. Qu'on change de main, l'on change de main, son attitude, son acte politique opposé pour l'autre option. Ça arrive. Je ne vais pas dire que c'est dit, on fait notre bagaille. Mais quand l'on arrive, on décide que ce chemin qu'on a choisi, on n'a pas pensé le pas bon pour encore. Au fond, l'autre acte. Ou posons acte politique, donc ou prend responsabilité de acte opposé. Je ne vais pas dire mal dit ou mal fort moral, ou te dit mieux, ou t'as fait tel bagaille, ou pas fait. Non. C'est décision, on prend décision. Moi, je dois nécessairement me contenter de ça,
de cette décision. Oui, mais... Et bien, assumer. Maintenant, pour la question de est-ce que nous pas trouver ça va venir. On a entendu, comme tout le monde. Mm-hmm. T'es toute menace à eux, pas au lieu de dire. Mais nous sommes un espace démocratique, côté monde capable de venir discuter, de venir parler de qui problème ou rien. Nous pensons n'importe qui monde capable de faire une contestation, la venir dans l'espace là, il a fait contestation, la parler, la discuter, la dit ça rien, il y a argument contre argument, et puis il a résolu le problème là. Mais nous ne pouvons pas prendre disposition la police, ou bien, par contre, mais ça c'est fort, ça c'est barré pour contrecarrer. C'est pas démarche ça. Autrement, il parle de démarche consensuelle vraiment. Parce que consensuel, consensus développé dans, le dans la discussion, dans le dialogue. Donc c'est la démarche ça qu'il y a. Donc, ça arrivait, son incident de parcours, mais qui n'a pas diminué en rien la valeur de ce que nous avons fait. La valeur de ce qui est arrivé aujourd'hui, et l'accord qui est là, et que nous pensons, n'est pas pour commission qu'on a pas dit ça, c'est la société pour approprier pour avancer. Mm-hmm. Avancer pour qui ça? C'est d'abord retourner à l'ordre constitutionnel, qui l'a encore là, à l'ordre constitutionnel 1987. Base, parce que depuis janvier 2020, pas de l'ordre constitutionnel dans le pays encore. Pas de l'égalité encore. La loi n'existe plus. Moun yo fait ça, vous voulez. Appliquez tout le bagage. Moun yo de mettre ici, on invite régulièrement. Tout le temps, on a expliqué ça. Sous télévision, hein, que question légale, yo. Yo pas existe, c'est la volonté d'un homme. Et je dis à nous, la volonté d'un homme, toujours. Donc, il est temps que l'ordre, que les questions constitutionnelles, les questions légales, soient rétablies. C'est le premier contenu gain. Deuxième bagage, c'est que le pays a, il gagne, constitution définie, deux pouvoirs, deux têtes dans le pouvoir. Le président et le premier ministre. À quoi prévoit que c'est ça, là, pour tourner à ça. Faut qu'on président, faut qu'on premier ministre. Et puisque nous parlons de période électorale, c'est pas une élection qu'a fait en général dans le pays, il faut trouver les moyens de nommer ce président, de désigner le président. Donc c'est ça le Conseil national de transition qui vous le fait, c'est voter président. Mm-hmm. Et qu'on y a, constitué le gouvernement après ça. Troisième barrière qui vient, c'est qu'on organise de contrôle. Puisque le Parlement n'est pas opérationnel, n'est pas fonctionnel aujourd'hui, l'exister avec 10 sénateurs, on tire sénat qui a existé, qui a légitimité, on n'en touche pas, il y a là, il n'existait pas, il y a un problème. Mais cependant, l'organe de contrôle de la transition, il faut que le monter. Le grand organe de contrôle qui a compté pour contrôler l'action du gouvernement et qui a une capacité de prendre des décisions sur la gouvernance. Pas qu'un ça, je veux dire là. N'importe qui est président ou bien premier ministre, il y a aussi un chèque livré, fait papier livré. Mais à qui est-ce à prendre compte? Mais l'argent pas pour lui, c'est pas comme pas lié. C'est comme pays à la même. Quand il prend cette autorité de dépenser selon propre volonté, propre vouloir, ou bien selon demande des associés politiques que lui, c'est pas possible. Donc, une situation qu'il faut rétablir ça. Et bien, en même temps, c'est définir les règles pour que nous arrivions dans l'élection générale en un pays qui est démocratique. C'est poser le problème de la Constitution. Et on ne peut pas faire l'avant. Non. On ne peut pas envisager l'avant. On n'est pas capable. Parce que si on n'a pas défini un cadre normal que tout compétiteur politique qui a allé souterrain, à même titre que tout une ou l'autre, il n'a pas un avantage préétabli parce que le même gouvernement, parce que l'empile l'argent en main. Bon, il faut mettre un terrain que tout le monde va aller de manière compétitive sous terrain pour gagner l'élection. Donc ça, est-ce que là on a parlé de l'objectif, les objectifs généraux du document? Oui, c'est objectif. C'est les grands contenus, les grandes lignes qui gagnent, sans me parler en détail. C'est en même temps tout, la question de la conférence nationale. Parce que nous, même gens que M. Jovenel Moïse t'a décidé que du pral fond référendum constitutionnel, mais c'était sa volonté. Il réunit 5 mounes, il dit aller comme constitution pour lui. Et puis il a décidé qu'il va le fond référendum sur lui. Il monte en CEP selon sa volonté. C'est pas sous base consensuelle qu'il était fait. Alors tout ça, comme on a dit, déficit dans le système, il faut rétablir. Pour rétablir, il faut qu'au moins, ou qu'à monter un bagage comme ça, pour qu'à monter, il faut que la population dans sa n'y a là. Même en 1987, l'État fait constitution 1987 là, il y avait une large participation de la population là-dedans. Il faut aujourd'hui arriver là-dedans. Et la seule façon possible aujourd'hui, c'est remettre là-dedans la conférence nationale. C'est le premier élément de la conférence nationale, c'est la question constitutionnelle. Comment on n'a pas abordé? Est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'il faut modifier? C'est au peuple haïtien de dire ça. Pas qu'il y a une cité, qu'il y a un monde qui a dit ça. Donc, il y a un monde qui a décidé demain matin, comment on va circuler dans le papier là actuellement, qu'il y a monté en constituante. Mais comment on peut décider? Qui est instance qui va au pouvoir pour décider de monter en constituante? L'autre période, côté, tout doit être mis à plat. C'est à plat pour mettre Mounio dans la possibilité de retrouver la paix, le calme, pour redéraper pays. Donc, c'est l'élément essentiel qui est là. Il y a la question de justice aussi qui est importante. Il y a des demandes qui peuvent répondre là d'ailleurs. Pendant que ça, c'est important tout, on t'a évoqué la représentativité de la commission dont vous êtes membre. Est-ce que c'est un bagaille
baronnet, nous avons toujours dit que les démarches qui ont fait, c'est des bails qui n'est pas inclusif. C'est vrai que il y a 12 millions d'Haïtiens qui sont supposés là-dedans. Mais au moins, en termes de secteur représentatif du pays, est-ce qu'on a une commission? On réfléchit, on pense ça, on va tourner un peu pour ça. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Tête Indique est avec nous ce matin. Merci de l'intérêt et à tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipiès, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce mardi. Et c'est bien sûr le moment d'accueillir Marie-Thérèse, Magali Georges, également membre de la commission. Elle nous a rejoint. Bonjour, madame Georges. Bonjour, monsieur Wendel. C'est un plaisir d'être là avec vous. Très bien. Et d'après maintenant, un petit mot dans le bouchou. Avant même de commencer, avant que nous continuions, c'est sous monsieur syndic Pablo Mbale de l'Obey, non? Ça passe hier. Comment qualifier le même? Ça fait hier, ça. Comment comprendre? Qu'est-ce que vous avez interprété le même? Bon, vous avez interprété le vous salier. Donc, vous avez interprété le vous salier. Qui s'allier? Qui s'allier? Il y a des gens qui ne pas jamais un vrai visage. Et puis qui toujours gagne des employés pour faire travail dans la place. Ah, ok. Yeah. Donc, les gens qui viennent. Donc, c'est passé, il y a son bail commandité. Commandité parce que c'est des personnages connus, ils ont des noms, ils des leaders politiques, ils ont marché. Donc, c'est pas gain secret là du tout. Donc, nous connaissons parce que nous-mêmes, nous sommes toujours là, nous sommes acteurs. Donc, pas de secret. Donc, son bail important de passer hier. Parce que lui permet de découvrir et faire des masses tomber. Donc, il y a un pile de masses qui tombent hier. Et ça, c'est important. Ou déçu, ou non, surpris. Non, pas surpris. Parce que nous avons des réseaux qui te dit nous. Il y a des gens qui te supplient nous renvoyer l'activité. Donc, ouais, donc nous passons. Quel argument qui. Parce que tu as une grosse menace sur la sécurité, nous. Tu as une grosse menace sur la sécurité, nous. Donc, nous sommes bravés parce que nous ne sommes pas remettre travail là, by nation, ce que nous faisons. Ok. Donc, malgré perturbation, travail là, continuer, nous pas de bail et cadeau ça, comme vous dernière fois, nous quitter tempête la passée, le calme est tourné, et puis nous continuer. Et il n'a pas avancé. Ça l'avait dit, Ted, c'est son erreur. De la part de ces militants, si on croit que le travail a été en mi-chemin. Je ne sais pas pourquoi on pense qu'il est en mi-chemin, parce qu'il y a une information immédiatement que ça a continué. Mais puisque la mission était en son bail peut-être d'une heure, c'est employé d'une heure, bien de deux heures, j'aimerais qu'il soit dit la mission est finie, Peut-être que c'était plus l'argent, peut-être plus souhaité continuer à faire, t'as qu'à continuer à faire, mais la mission était finie. Mais on connaît que ça a continué, c'est pas. On va écarter la possibilité que c'est une action spontanée. Et qu'il n'y a pas de monnaie, travail, on va écarter la possibilité ça. Mais si depuis avant, il est annoncé là. Il n'est pas spontané. On va qui a annoncé deux jours avant, quatre oui, mais jours avant. Oh, okay. Il déclare sur fait public tout pour nous donner. Il n'est pas spontané, mais ça peut arriver que pas de gain comme qui débousse pour ça. Fait. C'est capable de faire volontaire. De toute façon, ça qui est important, et Wendel, Marie-Louis est d'accord avec moi, c'est que l'interruption, ça a son moment. Le moment passé, c'est fini. Il a renouvelé encore. Il a fait des choses qui sont plus graves. Et Marie-Louis a bien dit que le problème de sécurité. Mais le problème de sécurité, il concerne tout le pays. Pour nous, certainement, mais pour tout le pays. Nous vivons un moment d'insécurité générale. Maintenant. Donc, il faut que nous bien comprenions ce qui a passé. Et il faut que nous-mêmes, la question, alerter tout le monde dans le pays sur la question de la sécurité générale qui pour rétablir le pays. Maintenant, on allait sur continuité question, continuité processus. Là. Nous pas campé hier, même dans la même qu'on est qui côté nous y est. Qui côté nous y est Kounia Lavel? Non, côté nous y est Kounia là, puisque nous avons acté que l'accord a signé, et l'appropriation continue de faire, il y a d'autres qui continuent de signer, et là ça finit de faire,
Période de signature, la durée combien de temps? Maximum nous dit fin semaine, non, si je ne me trompe pas, nous avons été fin semaine, hein, la fin de fête. Mais ça peut arriver que pour X raisons, nous continuons à demander signer. Et nous pouvons faire ça. Ça ne va pas déranger. Ça pouvait faire ça. Ce qui est important, c'est que nous-mêmes, ça qui prévoit l'accord, là, on est dit dans 72 heures après signature accord, là, nous prenons l'écrit sectorieux pour désigner les membres pour construire le Conseil national de transition. Je te pose une question sur représentativité sur les secteurs qui présents dans la commission. Dans la commission. Commencer par Magali Georges qui est là, qui est secrétaire général CNEH et qui dans un groupe regroupement syndicat Cochaco, n'est-ce pas? Qui là, c'est qu'on y a si on figure que quand même Magali Georges avec ensemble syndicat dans CIA, tout autre syndicat qui là yo. Non, et dans Cochaco, nous avons syndicat transport. Syndicat, nous avons toutes centrales syndicales. Et moi, c'est la CSH qui rejoint le processus là, qui parle dans le Cochaco, mais qui rejoint le processus là. Nous avons toutes centrales syndicales, nous avons CNEH qui sont confédérations, qui ont 13 fédérations dans la donnée. Nous avons CNOA qui est syndicat dans sous-traitant, CTH, CTSP. Nous avons toutes centrales syndicales, nous avons syndicat transport. Yo. Nous gagnons syndicat et travailleurs agricoles et dans CTSP par exemple gagnons pêcheurs, gagnons tout un regroupement de pêcheurs. Nous gagnons organisation femme, personne pas attaquer et représentativité à travers pays. Nous gagnons plateforme des organisations des droits humains qui UHDH avec Maxime Monique avec nous. Nous connaissons, nous gagnons la fédération des barreaux, nous gagnons l'église épiscopale, nous gagnons la fédération protestante. Nous gagnons 4G qui gagne 4 organisations paysannes qui gagne MPP, MPA, NKP, CROSS, tête collective paysan qui gagne représentant. Nous gagne le secteur vaudou. Nous gagne le secteur vaudou et la communauté vaudou. La communauté. La communauté vaudou. C'est pas le secteur, la communauté. La communauté est toujours très sensible à ça d'ailleurs. Qui gagne représentant. Donc le parti politique yo. Non, c'est une initiative de la société civile. Quand on a notre travail, nous nous rencontrons avec tout et nous avons dit groupement et pôle politique, j'allais dire là. Nous rencontrons avec tout. Et ils ont tout fait des propositions. Et il y a même qui prend accord, la Kale, Chita. Il y a avec nous fait un jour de travail. Ils viennent avec des juristes pour garder accord là, pour nous garder, corriger et faut équilibrer. Nous gardons tout, bien entendu, commission, quand même, bon travail d'arbitrage, parce que... Mais on a parlé de Haïti, oui. On a parlé de Haïti. Nous faisons tout ça, yo. Nous faisons tout. On a parlé de Haïti, on a parlé de partis politiques en Haïti. Nous rencontrons avec tout. Nous connaissons... Nous envie de nous non, besoin qu'on ait... Mais on a envie de dire, non, nous besoin de comprendre combien de partis politiques qui est dans la structure noire. Non. Dans la structure, là, pas de parti politique. Son initiative. Est-ce que ce n'est pas une erreur au départ? Ce n'est pas une erreur? Le fait que nous démarche, il y a une initiative de la société civile qui conduit. Qui pour chercher un accord entre les pouvoir. Politiques. Non, mais l'accord, c'est pour eux. Non, son accord pour. Il n'y a pas d'accord. Il est difficile pour être d'accord que nous baillons au bagage. Il n'y a pas d'accord qu'on décide pour eux. Non, mais justement, pour le moment, c'est ça qu'on a rencontré. C'est parce que nous travaillons avec eux. Et c'est ça que j'avais expliqué là. Nous passons des fois, nous passons des journées. Quand ils viennent en délégation, et puis ils viennent même à juriste, à conseiller économique, conseiller politique, pour justement élaborer avec nous. C'est pas comme si bah, nous imposons, nous construisons notre tête, pas nous, non. C'est bah, que nous faisons la consultation avec eux, mais avec une préoccupation fondamentale. Intérêt pays. Ah non, ça nous pas dépatine de ça, et bon, bah, les partisans ont fait. Bon, alors là, c'est là encore, pour le reposer les têtes syndicales. Oui, avec intérêt pays avant, mais combien de monde, combien de politiciens qui ont pays à vrai? Non, mais nous présupposons. Alors, nous avons une question. Ouais, c'est justement manifestation ça que fait hier là. Parce que c'est des gens qui ont rencontré avec eux, ils sont d'accord. Donc, c'est parce que l'intérêt pays n'est pas devant. Et nous-mêmes, qui sommes comme secteur organisé de la société civile, qui ça nous dit? Et ça dérange, bien entendu. Nous dit, ce n'est pas normal pour la société civile. Parce que ou dit dans la société civile pour croiser les bras et pour quitter des groupes de monde qui dit dans le secteur politique, traîner pays arriver là. Donc nous disons désormais, nous ne sommes pas observateurs, nous ne sommes pas facilitateurs,
nous acte. Ça veut dire acte, pas pour une faire dans place politique là, non, mais acte pour force politique là, faire ça bon pour majorité. Là. Vous comprenez? Mm-hmm. Et ça, c'est un discours qui est nouveau. Donc, mm-hmm. affaire citoyen à poser question. Tel, parce que nous-mêmes, nous disons citoyens déterminer des lieux de citoyenneté. Dans la communauté, par contre, qui projet, l'Union européenne ou bien le gouvernement débloquer un million de gouttes pour de l'eau potable arriver à la caille. Ou comme citoyen, ce n'est pas croiser les bras autant de l'eau arriver. Ou c'est garder le processus depuis le côté comme la débloquer jusqu'à la réalisation pour de l'eau arriver à la caille. C'est ou alors c'est veiller, même travailler, faire travail pour ne pas avoir le ciment. Les désordres, donc, c'est de ça qu'on a parlé. Les désordres, les perturbations, en fait, mm-hmm. hier, nous-mêmes organisateurs, nous parlons les juges de paix. Et nous n'avons pas de réflexe, hein? Nous n'avons pas de réflexe juge de paix. Mais sauf que, c'est l'occasion d'ailleurs pour nous présenter, excuse-nous, et à un dérangement que nous occasionnons dans l'hôtel et Montana. Et parce que de toute façon. Peut-être Mamdjou, par exemple, bon syndicalisme, qui a cité nous, qui a crédit, qui fait tentative de juge de paix. Dominique, c'était loi de la CNRA, qui dit lui-même qu'il besoin de juge de paix, il a fait tentative pour juge de paix, il est venu. Donc, ce que nous ne pouvons pas joindre. Mais la commission lui-même, pas de gagner, mais citoyens qui étaient dans le salon, bon exemple, qui t'a demandé présent juge de paix pour venir acter ça. Parce que c'est ça que fait, moi, dans toute intervention, moi, éviter de dire que ces militants viennent perturber. Parce que ça, là, t'es plein militants de partis politiques, militants d'organisations, organisations populaires. Et nous, on est militants chargés de pouvoir, on dit ça. Oui, mais c'est des employés de groupes bien déterminés. Il faut que nous connaissions qui groupe vous êtes. Donc, ce n'est pas t'es militant pour militant. Ce n'est pas parce que militant, c'est ça qui a fait la part. C'est parce que le patron qui voit le vin faire, ça le vin faire. Bon, il n'y a pas de chose différent. Maintenant, on allait et de tête syndic, nous te posons une question déjà tout à l'heure, qui côté nous y est. Maintenant, prochaine étape là, c'est quoi ça? Prochaine étape là, c'est constituer CNT. Hein? Et puis en même temps. CNT, ce qui veut dire Conseil national. Conseil national de transition. Qui ça gagne la donne? Il gagne toute. Il y a 28 secteurs de la société civile et il y a 25 pôles politiques là-dedans. Mm-hmm. Il y a désigné chaque membre, 28 acteurs de la société civile. Et qu'on y a là, il y a un ensemble de... Il y a constitué CNT. La CNT a les mêmes rôles, c'est faire élection pour président de la République là. C'est vous pouvez le voter. Qui élection? Élection au second degré. Il va le choisir, il va le voter parce que c'est on vote la pied quand même au final. Il va le voter sur une liste de monde qui a candidat à la présidence, par exemple. Et mon liste, ça a sorti du secteur qui a écrit tout, il y a 10 secteurs pour désigner des candidats. Et bien, selon des critères qui définis, selon référence constitutionnelle qui vient pour cap chef l'État dans le pays, ça, il y a la constitution qui dit qu'il y a. Mais en plus de ça, insister sur la question de honnêteté, de civisme, mon sur question de transparence dans la vie mon nom, ensemble de critères qui pour nous qui est important pour monde qui vient chef en dans pays responsable politique en dans pays, c'est comme ça critère ça fait après une sélection. Est-ce que vous pensez que au départ par une personne qui exclut est-ce que nous pensez que nous arriver gagner un président sans une résolution du Sénat et pas qu'on est-ce que ils font résolution déjà mais pas un président se rappelle pour l'histoire pas un temps ça fait. Non, mais je parle de la perspective. Non, mais ça, on dit, par exemple, la composition CNTA, le Sénat a deux moniques à déléguer pour participer dans le processus ça, de l'intérieur, pour comprendre ce qui a passé, pour au moins lire un vote plateau. Il est acté dans sa sortie, mais en même temps tout. Ça t'avait dit que. Sur le mandat politique. Hein? Et sur le mandat politique. Donc, et c'était pour qu'il y ait. Ça t'avait dit que Joseph Lambert est toujours un chancelier, il est toujours dans la bataille. Non, s'il veut candidat, simplement qu'on a des forces politiques, des organisations de la société qui appuient candidat sur lui, puis il voit dans le bureau de TVA. Le bureau de TVA réalise les qualités, références que vous prévoyez, critères que vous prévoyez, ils correspondent à candidat. Et puis, si vous avez élection pour faire, il y a pas eu lieu. C'est ça. Si c'est le choix final, ce sera le choix final. Mm-hmm. Le processus est ouvert. Il n'est pas fermé pour personne. OK. Maintenant, on a parlé de CNT qui a formé. CNT a parlé pour lui organiser. Organiser élection au second degré. Au second degré, à l'intérieur de ce qui a passé. Parce qu'à défaut de marquer les articles 50 de la Constitution, qui est l'Assemblée nationale, qui vous fait bagarre ça, j'ai été fait dans le cadre de M. Privert à l'époque. Et bien maintenant, puisque par exemple, une prévision constitutionnelle, une prévision légale pour faire ça, donc c'est l'accord politique a défini. Mm-hmm. Et le président, ça, qui mandat que l'a gagné? Mandat a plein ça qui définit l'accord là. Mm-hmm. Il parti prenant de l'accord, il a signé l'accord là. L'accord qui décidait, mais qui ça, gouvernement de transition a pour le faire. Mm-hmm. C'est-à-dire que les feuilles de route là, axe programmatique là, clair. Deux ans, trois ans. Maximum 24 mois, deux ans.
à partir de prise pouvoir transition, à partir du président installé. Mais opposition, tu as parlé en transition de rupture, c'est les mêmes ça? Et alors, dans le moment où il y a question opposition, il faut nous prendre un sens qui est différent de gens qui pas avant. Et qu'on y a opposition à qui ça? Et ça, nous avons expliqué tout à l'heure là. Nous, le processus de construction pouvoir, par exemple, l'opposition à la construction pouvoir. C'est qui, genre, même, va participer dans cette construction-là. Parce que c'est ça, on a dit, c'est pas le prendre pouvoir, non? Ou bien, il y a une commission qui a cherché la vie, c'est où on est en position avec lui? Ou pas qu'on en position avec nous? Pour faire quoi? Ça nous y est, pour en position avec nous. Hein? Son démarche. En disant l'autre genre, l'ancienne opposition, par exemple. Bon, disons, si tu veux. Opposition à Jovenel Moïse. Opposition à Jovenel Moïse. Mais opposition à Jovenel Moïse, il n'y a pas d'opposition à ça encore. Il y a une opposition où il faut construire. Et c'est même la question de peuple revendicatif et compagnie. Même la question des manifestations publiques, qui est toujours nécessaire que nous puissions manifester pour défendre l'intérêt. Si ça a fait là, je ne dirais pas d'accord avec elle, manifester pour lui. Mais il y a l'autre mouvement qui est, c'est Chita à réfléchir comment construire. Et ça a invité tout le monde. Et c'est ça le problème qui a problème, oui. Parce que, à le bon pouvoir qui établit déjà, ou entrer là dans un mécanisme normal, ou fonctionner, même j'en ai hier, ou non, même j'en voulais, ou dépasser j'en voulais, c'est facile. Mais pour construire son règle différent qu'on y a, président, il y a pour le faire tel bagaille, tel bagaille, tel bagaille. Ou un sens de contrôle, il y a tout pouvoir pour contrôler ça l'affaire. Mais il faut d'accord que vous commencez à rétablir l'ordre démocratique avec ça. Il faut peut-être pas commencer à changer. Comportement qu'on pense que c'est comme ça que il était naturel, c'est comme ça le pays a fonctionné, il faut commencer à changer. Et ça, rupture là, comment c'est dit? Rupture là, c'est à l'intérieur de la côte, il y a une tête pas, il faut commencer à faire rupture tout. La question de la soumission, il faut mettre la question. La question par rapport à l'étranger, j'en soumettre à l'étranger, depuis le penser, ou même moi agir, sans beaucoup de rien. Moi, nous sommes très optimistes par rapport à la démarche. Non, ah, donc ça, c'est clair. Alors que les forces en présence, yo n'y pas autour. Nous croyons fermement que des démarches noires n'ont pas abouti. Bon, c'est parce que nous croyons là-dedans, nous faisons 6 mois de travail là-dedans. Nous croyons là-dedans, nous croyons que n'a pas abouti parce que nous croyons que les citoyens n'ont pas oublié de lui et à bataille pour lui. Est-ce que nous sentons vraiment que les citoyens sont derrière nous? Et si je regarde des messages tout hier matin de personnalités, de monde qui a voué des messages. Par exemple, pendant que là, il y a un monde qui dit qu'il était venu, surtout qu'il est venu, il n'a pas voulu aller sans lui pas signer pour l'organisation qui est voué là. Par exemple, là, le monde surtout qu'il est venu, nous pas payé au corps de transport, nous pas payé rien pour être venu. Donc, nous pas de bon budget pour faire le monde déplacer, venir. Oui, mais vous avez venu tout parce que vous pensez, dans un second temps, capable de faire des choses qui tombent. Non. Bon, alors, ça me dit, excusez-moi, ça veut dire nous-mêmes, nous vraiment compter sur force et citoyens pour nous prendre un accord, la faire le bouillon et puis pour nous garder tout, qui ça vous proposez d'autres. Vous comprenez? Qui ça, qui l'autre proposition qui gagne? Nous-mêmes, nous n'avons pas un roumain qui est accord plus bon. Nous-mêmes, nous n'avons pas un roumain faire les citoyens participer dans la vie pays. Donc, nous-mêmes, nous comptons que, et par exemple, consensus au sommet, ça veut dire des droits de Mounchita pour venir d'accord, mais qui est ce que j'ai fait là. Même Mounsa a voulu venir dans notre processus transparent, participatif, occuper même poste. Mais il faut que les citoyens aient un mot pour dire dans ce qu'ils ont fait là. Et c'est mon citoyen, mon paysan, mon femme, syndicaliste, tout le monde. C'est parole qu'on a besoin de porter. Et c'est pour nous porter, on a continué à porter. L'élection d'un président pour un mandat de 5 ans, c'est pour la mission, le président de transition. Le gouvernement de transition. Le gouvernement de transition, au gouvernement bicéphale. Bicéphale. Alors l'important. Et l'avenir de l'actuel Premier ministre. Bon. Ils diront avant, après. Pas grand rien. Donc ça veut dire Ariel Henry. Non, discuter avec elle. Et il est que, à quoi la fin de signer, et que les modalités sont clairement définies, on va discuter avec lui quand il a un processus statut. J'aime ça dit pour M. Lambert tout à l'heure. Aussi. Parce que, question, c'est pas au prendre pouvoir. C'est que, il y a un mytho sous pouvoir. C'est pas au prendre pouvoir, c'est légitimité. C'est pour une légitimité, consensus qui mytho au pouvoir. Donc c'est des marches là. C'est des marches inverses, là, que nous n'y a rien. Nous n'avons pas de conflit à M. Ariel.
Henri Cotelier. Nous simplement reconnaître que le moment transitoire. Et les menus connaissent tout que le moment transitoire. Mm-hmm. Ils connaissent pas le bail qui transition qu'a fait là. Ils parlent de gouvernement de transition. Ils ont un moment côté où tout le temps des combats qui passaient là dans le pays qui semblait que le pays a pris en charge. Ou senti que le combat est comme ça, qui est une réalité. Mais nous ne pouvons pas trouver là tout. Non, mais. Et que, on va parler d'une personne. Oui. On a parlé de la responsabilité d'un pays. L'on parle de la responsabilité d'un pays. Pas qu'on a fait d'une personne écartée. Ce qui est important pour écarter pour le moment, c'est l'existence de la dictature ou bien de la responsabilité d'une seule personne sur l'ensemble du pays. Qu'un seul pays, un seul monde décide pour l'ensemble du pays. Mm-hmm. Pas qu'en quel côté je dis, ça possible encore. Il n'est pas possible en Haïti, je dis, que un monde décide. Et nous sommes passés 4 ans à Goumé. En d'un pays, tout le monde a goumé dans le pays, quel que soit le lieu côté où il y a goumé, la question que le président dit, après Dieu c'est lui-même. Après, ou l'autre matin nous lever, après Dieu c'est moi-même encore. Non, réalité, ça nous dépasse. Et ça va faire que peut-être nous dépasser là. C'est d'abord dit, si M. Ariel Henry, par exemple, pensait que le service de pays a vrai, il voulait, c'est ça le voulait, c'est volonté pâle, il veut mettre le service de pays. Ça qui empêchait que nous entrions dans un processus démocratique pour le river et responsable pays. Pas grand-chose qui empêchait ça. Ça empêche quelque soit parti politique là, entre dans le processus démocratique pour désigner responsable et qu'on ait un droit de contrôle sur eux après. C'est ça qui est important, c'est ça, oui. C'est désigner un droit de contrôle pour lui. Mais laissez le fin installer, la chèche une balle support. Qui soit qu'à dire, il n'y a pas de vape de haut. Il n'y a pas de justification de dépenser pour le barreau. Il n'y a pas de action que le cas prend. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas annoncé que le barreau fait l'élection. Avec qui ça fait l'élection? Avec CEP là, oui. Que tout le monde dans le pays est d'accord que CEP n'est pas correct, n'est pas légal. Mais par exemple, il y a une décision, non? Même temps, il y a une déclaration pour l'instant jusqu'à hier, concernant que le Pral fait élection avec quasiment c'est ce père qui va décider qu'il a fait calendrier électoral. Là. Mais il est en train de jouer avec des bails comme ça. C'est la première fois dans le monde, un coup d'État fait. Et puis, c'est le même régime qui était dans le coup d'État. Comprends la logique ça? Mais on a d'accord, le coup d'État n'a pas. Pas dans la Constitution non plus. Hein? Oui, mais ça arrivait là. Mais pas légal non plus. Oui, mais ça arrivait. Ça qu'on fait déjà. Ça arrivait. Son coup d'État fait de toute façon. Mais malheureusement, en plus de ça, ce qui est courriel là-dedans, c'est qu'on assassine un président. Mais son coup d'État lié. Ou gros changement de régime qu'il a quelque part, mais à l'intérieur du même régime. Et il semblerait que le régime, ça, généralement, en d'un pays, a été conspué. Il n'y a pas de vlil. Donc, comme s'il si a cherché accommodement avec, je dis, là. Mais quand il y a un accommodement, il y a fait dans la transparence ouverte. C'est comme un mécanisme qui définit comment il y a un accommodement, que nous entrons dans un mécanisme pour faire un accommodement. Il n'est pas capable de combiner entre X, Y, Z, 3 mounes, 4 mounes, 5 mounes, et puis l'imposer au pays. À qui ressource? Parce qu'il n'y a pas le 200 millions de dollars, il n'y a pas le prêter à Haïti. Parce qu'il n'y a pas 20 millions de dollars pour aider les gens dans le sud. Et puis comme c'est comme ça, déjà, ouais, que nous sommes capables de passer 4, 2 ans, 3 ans. Avant de faire l'élection, 6 mois, 1 an, démarche ça comme ça. Mm-hmm. Ou l'on moment de réflexion, de capacité de récupérer ça, il n'y a pas capable ou pas capable dans cette situation ça pour quitter ça traîner et que encore dans 2 ans, dans 3 ans, et puis ils font tweet, ils nomment Wendell, Théodore et Premier ministre. Puis quoi faire pintement devant nous? On finit, on finit. Donc, on gros ambition, on aime dire ambition, comme si le projet. C'est payant qui ambition. Okay. Le projet est ambitieux. Le projet de la conférence qui consistait à joindre une solution à la haïtienne. Solution à la crise, ok? Mm-hmm. Mais les n'a pas employé le terme ça. Une solution à la haïtienne. Nous songeons que Blanc existait vraiment, nous songeons ça? Ah oui, nous songeons. Mm-hmm. Et ça fait tout le temps dit nous-mêmes. Et nous sommes des citoyens qui ont 2 pieds non atteints. Nous avons 2 pieds nous en terre. Qui s'est passé? Est-ce que vous pensez, et quel qu'en soit, quand la communauté internationale là, a empêché nous de dire, mais qui j'en t'arrête, mes pays nous dirigent? Bah quoi ça? Mais si nous allons dans une approche, à dire, bon diriger plutôt, c'est une autre approche. Non, moi, je me suis posé une question. Non. Est-ce que nous réalistes? Nous réalistes, d'ailleurs. Est-ce que nous songeons? Nous faisons un pile en compte avec eux. Non, nous réalistes. Et vous nous faites vert?
Yo pa gen normalement des feux verts. Normalement des feux verts. N'a expliquer qui ça nous qui j'aime comprendre solution crise là, qui ça n'est les solutions haïtiennes là et du coup, nous comptons sur solidarité. Est-ce qu'on parlait avec ouais. Daniel Foot déjà? Oui, certainement. Oui, trois fois. Trois fois. Au moins trois fois. Il va rire nous, nous a rire tout. Écoute, si ça dit nous, nous qui t'a contre, nous a pris le tout. Parce que, question, on remet son niveau d'importance. Il d'importance internationale ont importance dans la vie politique pays. Tu n'as pas dit que ça me doit pas important. Non, c'est ça me renforce. Peut-être pour un caractère pour me dire ça. Ok, ok. Que ce soit extrêmement important et sensible en d'un pays. Vous savez, est-ce qu'il y a un feu vert? Non, il n'y a pas un feu vert. Et initiative haïtienne pour diriger le pays. T'as cherché route pour le diriger pays, pour le prendre souveraineté. Souveraineté a déjà dit que pas que mon qui va feu vert. C'est pas ici qu'on va feu vert là. Donc c'est route li. Quand il est capable, mettons lumière jaune sur route là, pour faire une ralenti. Et c'est avec acteurs locaux que lumière jaune n'a pas construit. C'est ça qui est grave là. C'est avec acteurs locaux qui a mettre lumière jaune là. Mais pas mettre lumière rouge sur lui tout peuple. Le peuple a privé quand même quand il peut aller là. Quel que soit sac détruit, qui cassé, qui mourit, qui bloqué, il a dépassé ou le pralé. C'est parce que, autrement, le système de service là toujours. Parce que vous êtes écrivain, vous n'êtes pas capable d'accepter que là, c'est quoi ça le pralé. Il a dépassé, il a construit un bagage qui est nouveau, qui est alternative à ce qu'il a posé. Donc, démarche, non, son démarche de la dignité, que nous capable à n'importe quel responsable étranger dans le pays. Qui l'a Nous avons peut-être nos limites. On délai, par exemple, pour nous matérialiser projet à quoi? Non, à partir du calendrier qui vient là, nous en brûlons. Nous en brûlons. D'ici week-end ça. D'ici week-end ça, et à quoi là, fini. Donc nous ne pouvons pas recevoir la signature. Nous ne pouvons pas recevoir, mais à quoi ça, premier nous moment ça, fini. Deuxième phase. Deuxième phase là, nous avons tout le support possible. Si nous voulons faire par la signature, très bien. Mais ça, nous pensons qu'important, c'est approprier effectivement, et puis quelque chose à côté ou lié, ces batailles, ça a pour mener. Ces batailles que c'est accord, ça a permettre moi-même affirmer personnalité politique et affirmer citoyenneté. Je me garde de dire que dans le lieu côté où il y a, prend responsabilité citoyenne. Et c'est pour moi qu'il va le faire côté une commission pour le former, son commission de ses amis, et c'est une commission cap vraiment indépendante, objective. Et cap au-dessus de la mêlée. Au-dessus, parce que ce n'est pas nous qui avons fait et pas nous qui avons choisi mon nom. Marie-Thérèse, Magali, Ose. Georges. Pardon? Rose-Thérèse, merci. Merci infiniment pour la disponibilité. Ted, c'est ton plaisir pour nous t'étendre. Oui. Nous permettre au moins aux auditeurs et téléspectateurs métropoles de gagner une idée de ce que tu as fait hier, là, avec tentative qui fait pour gâter là. Là, je suis correct, c'est ça. Donc, on va y aller avec ça. Pas de problème. Perturbation, il y a une tentative. Oui. Donc, perturbation, parce que nous continuons et nous étions persuadés que nous allions aller de l'avant. Et certainement, il a dit encore, on se voit avec Magali, c'est que, à quoi, pas pour commission encore. Il n'y a pas de gens à quoi commission. Hein. Et commission, c'est à permettre que l'accord a établi le rivet fait. Il y a les signes. Tout le monde qui signe un lieu, c'est acteur nouveau qui prend en charge de lui-même et d'aboutir, de faire avancer. Nous-mêmes, nous avons continué parce que nous avons une responsabilité que nous avons pris l'initiative là. Responsabilité, c'est assurer qu'effectivement, Jean Dabraléa, il y a allé comme ça. Parce que si on échec ou bien si on réussit, nous prenons le responsable quelque part parce que nous avons pris l'initiative. Mais c'était une initiative que nous avons pris, l'initiative l'a fini, maintenant c'est une réalité qu'on va accueillir l'accord du 30 août qui signe. Merci Ted. Merci Magali. C'est un plaisir pour nous de recevoir. Nous passons une bonne journée. M'absolutez-nous bonne chance. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le Point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Loto.